Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, la 1.7.0 est sortie, c'est parfait. Enfin, aujourd'hui, hier, évidemment, vu que la vidéo sortira le jour suivant. Du coup, je vais aller vérifier un petit peu tout ça. Il y a certaines nouveautés, dont, comment ils appellent ça déjà, c'était le trade. Je pense que c'est ça. Ah, il y a une petite modification, à ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas encore. J'étais parti justement pour me faire. Alors là, c'est vrai que j'attaquais quand même assez gros. Est-ce qu'on était. Non, c'était justement direction Beric. Il fallait que j'aille à Beric pour récupérer ça. J'ai vu également qu'ils étaient de nouveau actifs. Donc, c'était les Trade Hub. On va aller faire un tour là-bas directement, voir. D'ailleurs, je vais voir ça direct ici. Quoi? On peut plus voir? Il faut que je sois dans le vaisseau pour inspecter ou quoi? Ouais, ok. Voilà. Ça a planté. Ah, c'est plus le même hub. Alors, par contre, là. Je suis à 7 images secondes. Il y a une sorte de petit souci. C'est pas grave, on va aller faire un tour. Landing gear retracted. Ok, je peux faire ça. Weapons online. Ah, qu'est-ce que je fais? Ok, alors. On va aller au hub directement. Voir comment ça se passe. Alors, les nouveautés du jeu, enfin de la mise à jour aujourd'hui. Donc, il disait justement que le trading est actif. Il y a des navires de commerce également qui ont été ajoutés. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'il va falloir que je possède un système, en tout cas pour ça. Ou que je possède le système où il y a un trade. On verra bien. D'accord. Alors là, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est. Est-ce que. Ah oui, et puis c'était quoi? Attendez, il y avait un raccourci. CTRLH. Oh, il y a un raccourci pour demander. Ah non, là, je le plante à chaque fois. Pour demander. Oula, attendez voir. Ah non, je crois que j'étais dans le bon sens en fait. Sauf que c'était de l'autre côté. Landing gear deployed. Attendez voir, mais c'est magnifique ça! Qu'est-ce qu'on va y trouver de beau, dites-moi? En tout cas, c'est vrai que ça change quand même des anneaux. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même pas trop mal, c'est bien pensé, je trouve. Ça fait plus trading quand même. Hein. Bon, allez, on verra. Si on peut y rentrer. Eh bah ben non. Si, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ça, c'est quoi? J'ai vu quelque chose, je crois. Non, alors là, apparemment, on ne peut rien faire, en tout cas pour le moment. Ah, mais j'ai déjà vu cet intérieur là. Ok, bon. Ah, alors attendez, ça, c'est quoi? Des vaisseaux. Ah ouais, voilà, donc c'est ça les. D'accord, ça ce sont les vaisseaux commerciaux. Donc il y a 23 millions, 50 millions, 73 et 122 millions. D'accord. Est-ce qu'on peut. Bah, je pense qu'on peut le piloter du coup. Ah, 2200 mètres. Ah, ils sont tous à 2200 mètres, mais par contre. Non, je pense que ils sont plus longs. Mais là, c'est bien marqué 2200 mètres. Ah non, 7500 mètres de longueur. Ah, c'est ça, d'accord. Ça, c'est la largeur. Donc, la même largeur, mais de 3500 mètres. En fait, c'est 1000 mètres à chaque fois qu'on passe, quoi. De largeur supplémentaire. D'accord. Et 1100 tonnes pour celui-là. 790 tonnes pour celui-là. D'accord. On peut changer les vaisseaux, machin. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore à côté? Je pense que c'est un peu tout.
Mais ça, je sais pas du tout ce que c'est que cet écran pour le moment. Donc là, de toute façon, je n'ai pas les moyens, hein, ça c'est certain. J'ai à peine 4 millions, quoi. Donc il va vraiment falloir que je me fasse de l'argent. Attendez, je suppose, mais je crois que c'était par là. Ok. Et apparemment, il y avait 4... oui, bah oui, c'est ça. Il y a 4 nouveaux navires. Donc Galaxy Trade, comme ils appellent. Faire des échanges, mais là je vais pas pouvoir montrer grand chose parce que je ne peux rien faire, j'ai pas l'argent et je ne possède rien du tout. Qu'est-ce qu'il y aurait en fait? Je crois que c'est surtout sur le trading, hein. C'est tout sur le commerce en tout cas. La mise à jour aujourd'hui, il y a les armes également, des vaisseaux capitaux qui ont été améliorés. Apparemment, ce sont des lasers pour les tourelles. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Bah, pas grand chose au final, mis à part pour le commerce. Et je crois que tout est basé là-dessus, mais j'ai vu ici, donc ici il y a eu quelques petits changements. Et je voulais voir comment est-ce qu'il se nommait. Beric. Est-ce qu'on peut voir Beric ici? C'est toujours pas par ordre alphabétique, hein. Ça devrait être fait. Ah si, Beric. Allez, hop, c'est parti. On va sur Beric, on va voir ça. J'arrête de faire n'importe quoi. Porte des étoiles. Ah, attendez voir. Voir quelque chose par contre. Non. Après c'est avant-poste, avant-poste, guild pigiste et Lego avant-poste. Et avant-poste, oui. Apparemment, je peux faire des modifications sur Rega. Je vais vite faire un petit tour sur Rega également. Je me demande si c'est pas de là-bas que je viens. Je crois que si, final. Bon, c'est pas grave. On va à la porte des étoiles. Qu'est-ce qui se passe? Toi, allez voir. Mais... Tiens. Je ne peux plus le sélectionner. Warp drive offline. Warp drive online. Ah voilà. Warp drive offline. Donc un petit bug là-dessus. Maintenant c'est bon. Je vais donc tenter aujourd'hui d'aller me faire ce système. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça risque de barder pour moi. Ah oui, alors il y a aussi une chose. Donc là, je fais tout simplement CTRL-H et c'est tout bon. C'est quand même beaucoup plus simple, plus pratique, je trouve. Bon, alors là, franchement, je suis désolé, mais il est vrai que je ne peux pas vous montrer toutes les nouveautés de l'avant 7.0 puisque je n'ai pas ce qu'il faut. C'est pour cette raison que déjà, on pourra peut-être voir comment ça se passe. Si j'arrive, bien sûr, à récupérer ce système. Alors, je vais quand même me faire une petite sauvegarde, bien qu'il y ait eu la sauvegarde auto pour le nouveau système. Mais là, au moins, c'est plus clair et c'est permanent. Je vais donc basculer en mode raid. Normalement, ça devrait pouvoir se faire tout à fait. On va mettre tout le monde. Bon, j'avais perdu, je crois, quelques personnes la dernière fois. Ah, Apfelman... non, pas Apfelman par contre. Alors, pas du tout. C'est qui ça? C'est quoi ça, là, ce machin en bleu? Ah oui, c'est le trade system, ça, pas de souci. Ok. Tout va bien. Apfelman par contre, tu te déformes. On n'a pas besoin de toi. Alors, ce que je vais faire, on va faire ça peu à peu.
On va commencer par le point de fuite. Parce que je me souviens que la première fois que je vais tenter la porte des étoiles, il y a eu un bug en fait. Ils étaient là, mais ils n'étaient pas là, quoi. Ils étaient indiqués sur la carte qu'ils étaient là, mais en réel, c'était pas du tout le cas. Donc d'abord, je commence par la porte. Le point de fuite. Et ensuite, j'irai à la porte des étoiles. C'est qui celui-là? Voilà. Ok, allez, on capture, enfin on va tenter en tout cas. Ah, ça va chier. Il va y avoir un monde de fous. J'ai appelé mes gardes du corps également. Voilà, ils sont pas... Ils sont plutôt bas en level. Hein. Tant mieux. Hein. Ça va prendre du temps quand même. Attends, il en reste un là-bas. Est-ce qu'il est là-haut? Non? Il est où? Ah non, mais il a 693 millions de kilomètres. Donc il est pas là. Pas de panique. Ouais, je pense que ça va être assez simple quand même de prendre ces systèmes. Je m'attendais quand même à voir des level 20 au moins. Comme quand j'attaquais les stations. On est bien d'accord. Ils ont 30 680. Une fois que j'aurai pris ce secteur, par contre, ça va peut-être un petit peu plus bardé pour eux. Et j'ai vu, oui, c'est vrai qu'ils me demandent la paix. Enfin, je suppose. Ah, il a perdu quand même du bouclier là. Et puis ils sont 35 là-bas. Hein. Alors, ils viennent de se déplacer. Ils arrivent. 35 ici d'un coup. Vous arrivez trop tard, les gars. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. C'est les miens qui sont devenus aussi bons maintenant, quoi. Ok, ça c'est réglé. Il n'y a plus personne à la porte des étoiles. Alors on va vite y aller quand même. Par contre, j'ai juste une petite peur. J'ai comme l'impression. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Ah non, c'est bien. Ok, bon. Autant pour moi. Allez, on va faire un petit saut à la porte des étoiles. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Ça ira plus vite quand même pour prendre cette zone. Mais voilà. Ah maintenant ils sont bien là. Oui, là, y a pas de problème. Ok. Je préfère ça. Mais par contre, j'ai des navires. Je devrais avoir des gros navires, mais je ne les vois pas. Je vois que des petits vaisseaux. Où sont mes navires capitaux? Enfin, capitaux. Est-ce qu'ils sont en train de reprendre l'autre? Je vais quand même aller voir après. Mais ça me paraît bizarre, mais non? Cuirassé. On est bien d'accord que. 4-2-2. Ah bah oui. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alpha Squad. Warp away. Je vais juste les faire fuir parce que là ils me foutent des boules. Je vais juste aller.
là-bas. Les autres, je vais leur demander. On va les faire aller là-bas directement. En espérant que ça se passe bien. Calibration module activated. Calibration complete. Je sais pas combien est-ce qu'ils sont là-bas. Gagné, hein, de toute façon, mais... Bon, ça, c'est un bon moyen pour monter de niveau, ça, c'est sûr. C'est que je dois faire absolument, c'est de changer de commandant là sur mon vaisseau, enfin de copilote. Il va falloir que je fasse avancer les autres. Là, ça va, il y en a de moins en moins. Et cette fois-ci, parce que j'ai vu dans les commentaires, c'est vrai qu'il va falloir que je récupère les caisses cette fois. Mais j'y pense pas toujours, hein. Ah bah tiens. Ah non, c'est lui. Allez, il reste combien? Encore 15? Ah bah tiens, j'ai envie d'en profiter. On va directement les envoyer au suivant. Voilà. Target shields are down. Target destroyed.
target shields. Target shields are down. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Parfait. C'est réglé. On va prendre le point suivant normalement. Target shields are down. Target destroyed. Target shields are down. Target shields are down. Target destroyed. Target destroyed. Target shields are down. Weapons overheat. Target destroyed. Ça n'arrête pas. Ils reviennent toujours ici. C'est bon, ils ont pris le point. Je vais vite en profiter pour finir ça. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Target shields are down. Target destroyed. Target destroyed. Je vois. Ils sont déjà bien loin. Bon, allez, c'est réglé là. Ils sont tous ici, hein. Prenez-moi ce point. Attention all ships. Voilà, c'est réglé. This is a distress call from the Star System Command Center. We would like to inform you that our system has been lost to the enemy forces. The situation is dire and we urge all ships to immediately perform a hyper jump and evacuate the system. Repeat, all ships must perform a hyper jump and leave this system immediately. Bien, je vais pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Ah là, c'est quand même plus rapide. Système conquis. Alors, déjà, première chose. Faction. Système. Celui-là, donc c'est un principal, on va les mettre, on va bien le protéger à 60, ah ouais, alors. Et vu les millions que je me fais, honnêtement, on va peut-être mettre la sécurité à fond, 80 à 5, là je mets tout à fond, comme ça on est réglé, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Je me fais quand même largement suffisamment d'argent, enfin là sur le papier. Je vais voir également si dans commerce on voit la différence ou non. Ça n'a pas vraiment l'air non plus. Je sais pas du tout. Enfin bon, bref, on va voir maintenant ici. Est-ce que c'est indiqué tout en haut? Non. Donc c'était Beric qui était ici. Alors,
Par contre, là, c'est tout en anglais. Et puisque je suis une pomme, alors ça, c'est sur la carte que c'est indiqué, d'accord. Tac, tac, tac. On n'y était pas. Hein. Ah si, je crois qu'on y était au final. J'ai dû louper encore une fois. Il n'est pas tout en haut. Beric, 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 s'il vous plaît. Ici. SIRTY, je ne sais pas ce que ça veut dire. Taxe à 8,3%, d'accord. La vente à 23 000. L'achat à 30 000. Mais ça vend quoi? Ça achète quoi? On ne sait pas. Donc là, c'est en baisse. Et là, c'est en vente. Bon, ok. 80, je crois qu'on l'a pas trop mal, enfin bon bref, ok, d'accord. Maintenant que j'ai fait ça, oui, complexe. Beric, est-ce qu'il serait là? Robotique, eau, luxe. Enfin, un produit de luxe, je pense, ouais, et fuel. D'accord. Donc en fait ça monte plus ou moins suivant le moment. Est-ce que ça influe justement sur le système? Je ne vois sûrement, il y a peut-être des chances hein, au final. Trafic quotidien quasiment 120 000. On va pas s'en plaindre quand je regarde les autres. On est quand même largement en dessous. Mais bon, vu les millions qui se trouvent ici, ça fait quand même toute la différence. J'aimerais bien recevoir ça directement sur mon compte, en fait. 119 000. 119 millions, je veux dire. Ok. D'accord. Donc là, on est bon. Maintenant. Ici. C'est la même chose, on est d'accord. Hein. Ouais, alors par contre, mais comme ça, là, c'est vraiment... Il y a un problème là, c'est vraiment une grosse chute d'FPS. Je ne vais plus faire ça. Faction hangar. Donc celui-là, je vais juste aller y faire un tour. Honnête station. Créer un avant-poste. 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 Ah non, c'était ça la faction hangar. Je vais faire un saut là-bas. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Je vois quand même que j'ai quand même pas mal de retard malheureusement. Ah bah tiens, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, par contre. On ne peut pas demander à l'atterrissage, ok. On va trouver ça. Où est-ce que ça se trouve? Par contre, on ne voit pas grand-chose là. Là! Je suis pile dedans. Landing gear deployed. Mais bon, maintenant que je me suis acheté un vaisseau, c'est un petit peu dommage. Donc les modules, bah tiens, c'est de ça que j'aurais besoin, 7 millions et quelques. Déjà ça c'est cher. Bah tout est au même prix. Ouais, là j'ai pas du tout le pognon. Hein. Système de bouclier unique, ça pourrait être sympa. Emplacement de tourelle unique, bon d'accord. Ça, ça m'intéresse pas. Et ici, donc on est bien en T1. Ajouter un tiers, en fait, ça coûterait pas bien cher. Je suis quand même...
mettre en tier 2. Ensuite, il va falloir que je charge quelque chose parce que je peux pas le mettre niveau requis. 6 si je mets 10. Non, 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 et fais pas le con, toi. D'accord. Ajouter un tiers. Allez, c'est juste pour tenter. Là, maintenant, je suis en tier 3. Est-ce qu'il y a une modification? J'ai pas regardé. Non. En fait, le tiers sert à quoi exactement? Donc là, je suis en tier 4, d'accord. Je suis pas sûr que ça a changé quoi que ce soit là-dedans, mais bon. Pourquoi pas? Couleur de la coque principale. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Allez, on va le mettre comme ça. Ça va me faire un petit changement. Ça, c'est la même chose. Ici, bon, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, chip manager, ok. Est-ce qu'il est joli comme ça? Il est plutôt moyen, mais c'est vrai que ça fait un petit peu plus doré. Un petit peu plus sympa quand même. Donc ça, c'est bon. J'avais autre chose à changer, je ne crois pas. Est-ce que j'avais des choses à revendre? Si! Est-ce que je peux revendre ici? Je suis plus sûr. Ah bah non! Bah non! Ah voilà, ok. Ouf! Je pensais que j'allais rester bloqué, moi. Maintenant, vendre. On va revendre tous ces petits trucs là qui me servent à rien. 13. Ça, on s'en fout. Ça aussi. T2, on s'en fout. Ça aussi. Ok. Je suis remonté à 3 millions. C'était pas ça. Et puis si je mets niveau 10. Ah voilà, c'est, par contre c'est niveau qui augmente. On s'est ajouté à niveau 10. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que je vais plus avoir de pognon après. Et on va voir la différence. Du coup, 114 000, 75 000 en bouclier. Je sais plus exactement à quoi j'étais. Je vais me faire une petite sauvegarde. Une sauvegarde. La sauvegarde suivante, surtout, parce que j'aimerais savoir exactement ce qu'ils me veulent là. Je ne pense pas que j'ai arrêté la guerre avec eux, mais. Acheter. Payez pas, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Puisque je ne peux rien faire en trading, apparemment. Tout ça, de toute façon, c'est tout de l'automatique. Hein. De fait, c'est tout en automatique. Non, on ne peut rien faire, c'est juste des informations. J'aimerais bien savoir ce que ça donne vraiment avec un vaisseau, mais alors là, un vaisseau trading. Malheureusement, je ne peux pas vous renseigner là-dessus, comme je l'ai déjà dit. Du coup, opération.
tout en haut là, c'est vers sexe. Il ne reste plus grand chose, donc il y a celui-là, encore en ressources, que je devrais prendre. On va s'y attaquer immédiatement. Ça a changé là, c'est pas pareil. Voilà, c'est tout bon là, on peut y aller. Hein. Par contre, j'aime pas beaucoup. Je suis un petit peu. Non. Ah non, par contre. Oh là là! On va ça faire comme ça. J'espère quand même que cette fois-ci, j'ai vraiment les vaisseaux qu'ils sont censés avoir. Et celui-là. Donc il n'y en a que trois. Honnêtement, il n'y a pas. Je ne pense pas qu'ils sont bien dangereux. Je vais pouvoir me permettre d'attaquer les trois en même temps. Celui-là là-bas. Elle, on va la mettre là-bas. Ok, celui-là ici. Ça devrait, je pense, quand même jouer. Parfait. Donc en 669, non là, 600, non 6, non non 569 je crois. On est bien d'accord, hein? Pas que je raconte n'importe quoi. 569, tout à fait. Please approach to the jump point to start jump process. Weapons Puisque je joue à X4 Foundation, je go fond vraiment les touches parce que c'est tellement différent. Destination reached. Ok, en tout cas, j'ai récupéré donc leur système principal, c'est l'idéal. Je devrais du coup, on devrait s'intéresser quand même maintenant à toutes les à toutes les systèmes principaux de tous les secteurs, enfin de tous les secteurs, de toutes les familles, en gros. Et de retour, évidemment, le jeu a planté, donc on reprend ici. Cette fois-ci, j'espère que c'est bon, merci, c'est très bien comme ça. Allez, c'est parti, on va s'attaquer. On va vite s'attaquer. Non, ça c'est point de fuite. Ouais, je disais, on va vite s'attaquer à cette station. Et si j'ai un secteur à faire. Au centre. Allez, on va appeler les gardes du corps. Tant qu'à faire. Level 17 ici, ça va encore. 18. Target shield recharging. Target shields are down. Target destroyed. Target destroyed. Ils sont où? Ils sont de l'autre côté, les cons. Need help. Take the next step.
Target destroyed. Target destroyed. Ok, là c'est réglé. Et puis il reste des points rouges, je sais pas ce qu'ils foutent. On va voir s'ils vont bouger. J'avais réussi, n'empêche, à prendre une station en moi tout seul, hein, en FPS. Ça va être compliqué, hein. Du coup, je pourrais m'occuper quand même d'un secteur tout seul. Hein. C'était plutôt simple. Il fuit ou pas là-bas? Ouais, ça a l'air. Il y a eu aussi pas mal de correctifs de bugs. Alors là, j'ai pas tout lu parce que c'était un sacré bordel. Du coup, il va falloir que je défende en 576. On va vite défendre et puis je vais revenir ici. C'est en 569. Pas que j'oublie. Please proceed through the gate in the path reserved for you. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. N3, 2, 1. Destination reached. Je pense que ça va être vite réglé. Calibration module activated. Calibration completed. C'est bon, en fait, mes alliés maintenant me suivent correctement. J'arrive directement en face du bouclier. Pas besoin de le chercher. Roger. Weapons online. We need help at shield quarters.
Allez, c'est reparti maintenant pour la 569. La prise de secteur, et on verra après. Bah après, je pense que ça sera terminé. Ça fait déjà un petit moment là, que je suis sur la partie. Pas fait grand chose, juste été voir quand même 2-3 trucs. Je suis déjà habitué à faire mon CTRL-H à chaque fois que j'arrive. C'est les petits détails quand même qui font plaisir. Et puis franchement, le gars, il avance vite, hein, dans ses mises à jour. You reach the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. C'est quand même agréable. Hâte de voir ce que ça va donner pour vendredi prochain. Je vais pouvoir voir en tout cas tout ça là ces 2 prochaines semaines. Après, il va falloir que je fasse une petite pause parce que je serai en vacances. Une semaine de vacances, mais du coup, de vendredi où je ne serai pas forcément là. Je verrai bien comment ça va se passer. Allez, je vais balancer le raid directement. Ok. Alors, on va envoyer 2 là-bas. Même 3 là-bas. 3 gros vaisseaux là-bas. Mais je me demande si dans les raids ça change pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. De ne pas voir de gros vaisseaux avant, pourtant on les voyait correctement. Ils s'en occupent très bien. Mais j'ai l'impression qu'ils sont devenus quand même plus puissants qu'avant. Bon, il y a une caisse, on va la prendre. Allez, on envoie la sonde. Après, je vais retourner sur une station vite fait. Pour revendre ce que j'ai récupéré. Mais je pense que je ferai ça en off. Mais c'est vrai qu'il va falloir que j'avance un petit peu. J'hésite quand même à monter mon niveau de soldat. Il va falloir de toute façon que je le fasse. Mais il faut absolument aussi que je monte mon niveau de pilotage. Enfin, de pilote plutôt. D'ailleurs, il est bientôt. Je suis bientôt level 30, c'est bien. Du coup, ils sont bien 31. Tout va bien. Ceux que j'ai remplacés ici sont montés de niveau. Sauf celui-là, level 20. Et level 27. 31 partout, ça c'est bien. Et ici, je ne sais pas si en fait ça monte plus vite qu'avant. Mais ça n'a pas spécialement l'air. Oui, c'est bon, l'autre il va être pris également. Porte des étoiles. Je vais pouvoir y retourner. Attention à tous les ships. C'est bon. This is a distress call from the Star System Command Center. We would like to inform you that our system has been lost to the enemy forces. The situation is dire and we urge all ships to immediately perform a hyper jump and evacuate the system. Qu'est-ce que c'est ce soir maintenant? Repeat, all ships must perform a hyper jump. Termine de parler. Système conquis, donc c'est bon maintenant. Voilà, merci, parfait. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Mais d'accord, il n'y avait pas de station ici. Factory, non, non. Je suis allé directement sur Beric. Please approach to the jump point to start jump process. Et puis, je serai tout bon. Please proceed through the gate in the path reserved for you. Parfait. Mais écoutez, je pense que je vais quand même m'arrêter là. Ça sert à rien que je vous montre ma vente. Hein. Je veux dire, il y a plus intéressant. Je vais passer. Je vais passer là. Hein. Je pense que je n'ai pas trop le choix.
Il n'y a que là-bas que je pourrais vendre facilement. Parce que le reste, c'est quoi des avant-postes. Et Honnête Station, je crois que je peux aussi vendre. Enfin, bon, bref. Donc voilà, en tout cas, pour la 1.7.0. Je suis encore désolé, hein, j'ai pas pu vous montrer tout ce qu'il fallait. Juste la base. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!